est en face d'un paysage de Vincent Van Gogh. On y voit ce qu'on appellera faute de mieux des turbulences, ce qui pourra sembler ici ou là des inconséquences qui n'ont rien à voir à faire avec un quelconque réalisme, entre guillemets, ça va sans dire. On y verra parce qu'il y a des mouvements de pinceau, parce qu'il y a des spirales qui semblent emporter un mouvement parce que les cyprès deviennent des torches. On y verra le signe d'une passion, d'un dérangement, pourquoi pas. On en fera peut-être, pourquoi pas, le symptôme d'une folie. Je ne crois pas que la peinture soit le symptôme de quoi que ce soit, si ce n'est de la peinture. Peindre, c'est devoir peindre comme personne n'a peint. Ce n'est pas rendre compte, c'est révéler. Ça n'a rien à voir. Révéler, c'est donner à voir ce que l'on n'a jamais vu comme ça. C'est ça la révélation. Et c'est en quoi, au bout du compte, métaphoriquement parlant, il y a nécessairement transfiguration. C'est pour ça qu'entre les écritures et la peinture, il y a nécessairement de l'un à l'autre un rapport de métaphore qui s'établit. Parce que la peinture, c'est la transfiguration de ce qu'on a en face de soi. Dans la nuit étoilée au-dessus de Saint-Rémy, je crois qu'on peut dire que le ciel qui est représenté est un ciel assez exact, puisqu'on voit un croissant de lune éclairé par un soleil qui va bientôt se lever, et il y a effectivement une bande claire au-dessus des montagnes qui montre bien l'aube encore naissante. On voit la planète Vénus, bas sur l'horizon, un astre éclatant, qui effectivement précède toujours le soleil. Et enfin, on voit deux étoiles de part et d'autre du grand cyprès noir. Ces deux étoiles, lorsqu'on reconstitue le ciel au-dessus de Saint-Rémy, à ces époques, sont vraisemblablement les deux étoiles principales de la constellation du Bélier. On remarquera en passant d'ailleurs que le Bélier était le signe, en quelque sorte astrologique, de Vincent Van Gogh. Et il est assez curieux de voir le doigt tendu du cyprès désigné en quelque sorte le symbole du lieu de naissance dans le ciel de Vincent. En tout cas, donc, un réalisme assez grand dans cette nuit étoilée, sauf qu'effectivement, on peut s'interroger tout de même qu'au-delà de ces astres un peu fous, mais à la position à peu près correcte, le tableau entier gravite autour d'un centre mystérieux, un centre d'attraction qui a la forme d'un tourbillon. Alors là, on aurait tendance à dire, alors là, Vincent n'est plus du tout réaliste. Qu'est-ce que c'est que ce grand tourbillon ? Je crois qu'on peut dire que Vincent était fasciné par les découvertes astronomiques de son temps. D'ailleurs, ces tourbillons que l'on voit apparaître pour la première fois, je crois, dans la nuit étoilée, eh bien, vont se retrouver dans des œuvres ultérieures, non pas pour figurer des cieux, mais simplement des fonds de tableau. Il y a un autoportrait où on voit donc à l'arrière du visage extraordinaire de Vincent un fond qui montre également des schémas tourbillonnaire, rappelant donc ces fameuses nébuleuses montrées par les astronomes, comme si désormais dans l'imaginaire de Vincent, son ciel intérieur était complètement peuplé, constellé en quelque sorte de myriades de nébuleuses, montrant bien le rapport entre l'homme, l'artiste, Vincent, et le cosmos.